Tour à Boulac et bienvenue pour ceux qui découvrent la ville. Aujourd'hui, on va placer le stade, comme me l'a demandé Alexis Alexandre, qui proposait effectivement que je place un stade dans la ville parce que ça manque. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Alexis. On va placer un stade avec des parkings autour, comme tu l'as suggéré. On va faire exactement ça. Dans cette vidéo aussi, alors j'avais plusieurs opportunités pour placer le stade. Je peux mettre le Sports Arena que j'ai téléchargé, je pense. Ou alors aller avec le stade qui est proposé avec le jeu, qui se trouve ici, et que personnellement je trouve assez moche, et en plus on voit pas que c'est un stade, c'est caché, donc je pense pas mettre celui-là, je pense que ce serait peut-être plus sympa de mettre le Sports Arena, qui ressemble déjà à un truc un petit peu plus correct. Je pense que ce sera d'un plus bel effet. On va mettre une route qui arrive par ici. Comme ça. Alors je pense que je vais quand même aplatir le terrain pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème. Dans ce sens-ci, jusque-là. Voilà. Alors, voyons voir un petit peu. On va mettre de toute manière l'entrée en face de la route qui arrive comme ici, comme ceci. Mettons ici, voilà. Je vais pas réussir à la mettre juste au milieu, tant pis. Faire comme ça. Alors ce que j'aimerais bien, c'est avoir une série de parkings qui vont être des parkings dédiés ici sur le côté. On va faire comme on avait fait pour le parc aquatique du 26-34, on va mettre une entrée spécifique. Alors il faut que je retrouve ça, mais j'ai des passages à niveau, enfin pas des passages à niveau, des barrières de sécurité. Juste que je retrouve où ça se trouve. Si. Là, alors sur la gauche, je pense que j'aimerais bien mettre déjà encore une rangée de parking ici, directement, collé au bâtiment. J'ai des parkings qui font un de large ou deux, parce que je les trouve encore une fois, parce que quand on a beaucoup d'assets, ça commence à devenir pénible de les trouver. Ah oui, ils font un de large. Alors c'est pas grave, je mettrai des arbres derrière. Ça aurait été pas mal quand même que ce soit contre. Là. Comme ça. La barrière. Dans ce coin-ci. Voilà. Donc les voitures arrivent. Il y a ici des places de parking sur la gauche et sur la droite, on va faire des places de parking un petit peu plus conséquentes. Euh,
je suis en train de réfléchir. On va faire des. Et je pense que je vais faire encore des places qui prennent un de large. Que j'ai comme route ici éventuellement. Je pourrais peut-être faire une couleur différente pour indiquer qu'il s'agit d'autre chose. Trois fois un, 8. Reprendre du 8. Ah mais c'est animé en plus ce stade, excellent. Il y a des joueurs en fait. C'est marrant. Alors je continue. Ah oui, aujourd'hui je vous préviens, je fais un épisode très très cool. Je vais essayer qu'il soit pas trop trop long. Et je vais pas trop me prendre la tête. Ok, ça marche, on a un parking qui ressemble à un vrai parking, je trouve. S'il n'y a pas encore des masses de place, disons que ça c'est le parking numéro 1, peut-être le plus beau parking. Est-ce que je pourrais peut-être faire un autre parking sur la gauche qui ressemble un peu à celui-là? J'ai envie de garder le même style pour ne pas que ce soit moche. Là, on va poursuivre le placement des parkings. Ici. Comme ceci. Ouais, on va laisser comme ça. Alors ici je me suis trompé, j'ai pas mis un parking, j'ai mis une rangée d'arbres. Rangée. Voilà. Ok, donc Alexis, tu me disais de mettre des parkings tout autour. La route ici, simplement être une route qui poursuit par là. Alors je vais quand même regarder ce que j'ai comme autre modèle de parking pour éventuellement faire une petite variation. Porter un peu de variété.
pourrait très bien mettre ce parking-ci à l'arrière qui est un petit peu plus moche. Voilà. Et alors sur la gauche, et sur le devant, je pense que je mettrai bien encore des places, tiens. Il faut beaucoup de places de parking pour accueillir tous les visiteurs du stade. Remettre les parkings comme j'ai mis les premiers. Voilà. Ici on zonera. Je crois qu'ici on va simplement dire comme ceci. Ça paraît bon. Alors sur la gauche, je crois qu'au niveau place de parking, on est bon là. Hein. On est équipé, on va peut-être arrêter là. Par contre, je pense peut-être mettre un parc. Éventuellement, le grand parc arboré pourrait convenir ici. Je crois qu'on va faire comme ça et on mettra ici des arbres dans le fond. Je vais terminer le placement des routes. Ça commence à bouchonner ici aussi. Alors surtout pas rajouter de croisement ici parce que ça va complètement faire... Ça va causer des bouchons. Faut pas le faire. Pourquoi pas un cul-de-sac qui s'arrête ici? Voir qui se termine en une bretelle d'autoroute. Est-ce que je fais un overpass pour refaire une entrée ici? Peut-être pas quand même. Si je ferais bien l'inverse aussi, on pourrait imaginer que la sortie ici d'autoroute permette aussi de rentrer directement vers le stade. Ce qui serait assez logique parce que... Oui, les gens qui quittent l'autoroute là pourraient éventuellement reprendre vers le stade. Vous me direz, ils peuvent quitter ici. Mais pour éviter les bouchons, ça pourrait être pas mal de leur permettre de quitter là. Et en plus, je pense que ce serait assez joli de le faire, donc on va le faire. Si je peux. Ok, ça c'est bon. On vient comme ça. Pas mal. Il va falloir que je fasse quelque chose pour ma demande en bureau ou en industrie. Je pense que je vais placer encore un bureau
qui vont sans doute se développer ici. Est-ce que j'ai de l'eau? Oui. On va profiter du passage pour placer des commerces avec quelques immeubles d'habitation. Pourquoi ici aussi, tiens, pourquoi pas. Peut-être un petit peu bizarre. Non, je vais rien mettre là. Comme ça, ça me paraît pas mal. Rien d'extraordinaire, hein, bien sûr. Mais... je trouve que ça a quand même assez bien de gueule. Qu'est-ce que je pourrais encore mettre? Je crois que je vais me limiter à placer encore quelques arbres. Ouh, il en met sur la route, dis donc. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est peut-être parce que j'ai mis overlap ici, c'est possible. Peut-être que ça interfère. Quand j'enlève, ça a l'air d'aller mieux. Alors, je vais mixer un petit peu les essences. Ici ça va zoner pas partout. J'attends que ça ait popé pour venir refermer un petit peu le décor. Alors est-ce que je mets des fleurs? Bah pas forcément non plus, je suis pas obligé d'en mettre partout. Ce genre de choses je n'aurais pas besoin non plus. Voilà, j'ai fait quelque chose d'assez simple, je pense que je vais en rester là. J'aurais bien voulu que ça pop un petit peu. Mais ce genre de choses prend toujours un peu de temps. Donc voilà, on a ici le stade qui se trouve au pied du mont. Se trouve notre ancienne forteresse. Je crois que je vais couper la vidéo là, tout simplement. On va se retrouver la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Cities Skylines. J'espère que celle-ci vous a plu. Moi, je suis relativement satisfait. Je voulais faire quelque chose qui me prenne pas trop de temps et qui soit quand même assez agréable à l'œil. Et je dois dire que, d'un point de vue éloigné, c'est pas trop de mal. Voilà, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Salut tout le monde.